Éric Zemmour recule pour la première fois. Avec 14% des voix, il serait devancé par la candidate RN Marine Le Pen, selon le sondage Odoxa Seegers pour l'Obe, réalisé par Internet du 5 au 8 novembre 2021, sur un échantillon de plus de 3,000 Français. Le président Emmanuel Macron recueillerait quant à lui 25% des voix. Le combat est toujours très serré à droite où aucun candidat ne se détache réellement dans la course à l'investiture présidentielle. Éric Zemmour obtiendrait 14% des voix, moins 2 points, et resterait ainsi derrière la présidente du Rassemblement National Marine Le Pen, 18%, au premier tour de l'élection présidentielle. Dans le cas de figure où le candidat LR serait Xavier Bertrand, ce dernier obtiendrait 12%, moins 1 point, et se retrouverait en quatrième position. Ses concurrents Valérie Pécresse et Michel Barnier le talonneraient à 9%. À gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon qui mène la danse, mais il resterait à moins de 10% des intentions de vote. Quant à l'écologiste Yannick Jadot, il ferait mieux qu'Anne Hidalgo, avec 6,5 ou 7% selon les scénarios contre 4,5% à 5%. Pour tous les autres candidats, ces derniers se trouveraient en dessous de 4% des voix, y compris Arnaud Montebourg. Ce nouveau sondage Odoxa a été réalisé sur Internet entre le 5 et le 8 novembre via un échantillon représentatif de 3,005 Français âgés de 18 ans et plus, dont 2,756 inscrits sur les listes électorales. Mais les intentions de vote dans cette étude ont été établies auprès des personnes inscrites sur les listes électorales comptant aller voter et ayant exprimé une intention de vote, soit 1,917 à 1,946 individus, selon les hypothèses. La marge d'erreur de ce sondage est entre plus ou moins 1,0 et 2,1 points.